Voilà, démarrer, hop, enregistrement. Je me permets de regarder très rapidement où on en est dans les 24 heures du Mans. Ouais, drapeau vert, ils en sont à un peu moins de 2 heures de l'arrivée, c'est beau. Oh, il y a beaucoup de sorties quand même. Il y avait une soixantaine d'équipages, ils sont plus que 47 engagés. Donc il y a eu une douzaine d'abandons. C'est quand même fou. Oh là, il y a un pilote qui a un problème de portière. Waouh! Waouh! Ouais, il y a plein de rebondissements pour cette édition. Une portière d'une hypercar Ferrari qui était ouverte et qui a dû repasser au stand pour bien la verrouiller. C'est super dangereux, en plus ça flingue l'aérodynamisme. Oh, une Toyota en tête à queue. Oh là 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 là! Lui, le ciel s'assombrit, lui, l'arrivée va se faire sous la flotte. Oh! Je vois quelques photos, il y a des trombes d'eau derrière les bolides. Waouh, je vais adorer regarder le résumé des 24 heures du Mans de cette année. Et arrivera un jour où je vous ferai mes 24 heures du Mans, comme vous le savez, via la PlayStation 2 et Gran Turismo 4. Quand je me lancerai, il y aura des fausses 24 heures, enfin des fausses 24 heures pour moi, hein, j'irai faire dodo normalement. Mais je laisserai tourner mon direct et ma console simuler les 24 heures de course au Mans. Ce sera très particulier, mais ça me déplaît pas. Je crois que j'avais fait la commande cave pour l'occasion. Voilà, ça fait une éternité que je l'ai pas lancée cette commande. Voilà, course automobile virtuelle d'endurance, cave. Une fois par an, ouais, je cherche les petits. Voilà, j'explique tout, c'est très bien. Et ouais, en hiver, histoire que les bécanes crament pas trop avec la fraîcheur de l'hiver. Sûrement dans les périodes de fin d'année entre les fêtes, je serai susceptible de le faire dans les années à venir. Alors peut-être pas cette année-ci, peut-être pas en 2024, mais en 2025, ce serait. C'est pas à exclure. Ce genre de délire que je pourrais instaurer quasiment tous les ans, pour mon plus grand plaisir. Allez, j'arrête de bavarder. Je vais me lancer dans Ars Fatalis, alors que le Windows est en train de me rouspéter. Il me dit qu'il faut que je fasse une analyse. Ah bah fais-la rapide maintenant, il y en a pour 10 minutes. Alors. Hop. Oui, si j'avais vu ça pendant l'éclipse, ça aurait été mieux, évidemment. Oula! Toyota publie des captures d'écran d'Elden Ring. Cet inventaire de fou! Je vois des choses, Toyota! C'est beau. Je vois des médaillons. Je vois des glaives, des épées. Je vois beaucoup de choses. Ars Fatalis, Ars Fatalis. Ça fait une éternité que j'ai pas lancé Ars Fatalis. Il est tombé dans les limbes du menu de démarrage. Faut que j'aille le rechercher en saisissant mon. Voilà le nom. Ouais, c'est vieux, hein, Torota. Vieux. 16e, 9e, non, je crois. Je sais plus. Oui, 16e, 9e, Marc Satalis. Ah! Mais non, mais me flingue pas mon affichage, Nunuche. Ah, le Windows qui me fait. Qui me rend fou. Ah oui, il me faut mon périphérique de jeu. Ah, je vous avais dit que je remettais la perruque, j'ai oublié. Je la remettrai quand je jouerai avec Tuinsen tout à l'heure. Non, j'ai la flemme de me relever. Ah, oh, puis je digère. Non. Ah là là. Oui, oh, l'intro, on la connaît. On l'a vu que 50 fois, je crois. Alors, restauré, j'en étais où? Oh, normalement, c'est reprise 19 avril. J'ai pas d'autre date. Oh la vache, 19 avril. Oh, ça fait 2 mois que j'ai pas joué. Ça fait 2 mois que j'ai pas joué et oui, visiblement, c'est. Ouais, c'est ça. J'ai été fidèle à moi-même dans mes directives. J'ai respecté la sauvegarde de reprise. Donc, j'ai pas de questions à me poser. C'est bien là où je m'en étais arrêté. La faute à Minecraft. En partie, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Mais tellement de jeux à faire. Là, pareil, j'ai eu la nostalgie. Alors, oui, j'ai noté rapidement tout à l'heure dans ma pause déjeuner le Dakar. Il faut que je fasse le Paris-Dakar cet été sur la PS2. En plus du ski, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et les Sonic, là, aventure. Il faut pas que je lâche l'affaire non plus. Il faudrait que j'y joue samedi prochain, ce serait bien. Non, je peux pas samedi prochain, je suis idiot, je suis pas là. Je suis présent que le matin pour Borderlands. Donc ce sera dans 15 jours. Oh là 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 là. C'est horrible. Bon bref, je fais nappe. Ah, ce plat. Ce plat cuisiné. C'était quoi ma quête? Je sais plus. Oh, j'aimerais déjà rejoindre la civilisation. D'ailleurs, je dois dégainer pour me battre, je fais comment? En plus, j'ai l'impression que le jeu est hyper sombre. Au secours! Je fais comment pour... Ah, c'est comme ça. J'ai retrouvé la touche de combat et la touche saut. Ça, c'est la carte. Il n'y avait pas quelque chose dans la crypte? La crypte... Mais non, j'ai fini la crypte! Il y avait les tombeaux là des héros anciens avec la les liches que j'ai patatées. Je crois que la crypte, je l'ai rincée. La crypte, il reste plus rien normalement. Je dis bien normalement. À part la quête principale et patater le grand vilain là, la divinité du mal, Agba. Je crois que j'ai... Attends. J'ai plusieurs quêtes secondaires. Alors, j'ai la chasse au trésor avec le coup de l'émeraude dans le coffre. Mais alors, quel coffre? Paris-Nancy. Je l'ai presque fait, Paris-Nancy, en virtuel d'une scène. C'était le Paris-Marseille Racing. Il y avait Christella qui m'avait posé la question. Mais elle se souvenait plus que j'avais joué sur mon antenne. Au Paris-Marseille Racing. Il y a deux opus, je sais plus lequel des deux j'avais fait. C'est rigolo, mais sans plus. Ça joue une fois, mais pas deux. Parce que... Il n'y a pas assez de profondeur dans le... Il n'y a pas assez de contenu. C'est dommage. Ça sonne creux. Bon, là, il y a les vendeurs humains, là, les deux frangins malins. Les deux frangins malins. Oh là 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 là. J'aimerais rejoindre déjà la civilisation. J'aurais les idées plus claires si je retrouve les. Voilà, les trolls ou les gobelins. Mais. Bah tiens. Oui, mais eux, c'est. Ah oui, c'est des sauvageons là de la. Oh. Voilà, voilà. Tout ce que ça m'inspire. Le clan de la pêche contre le clan des charognards de viande de rat. Oh, c'est gobelin. C'est quoi ce cul-de-sac? Pourquoi? Ah merde, c'est pour accéder chez la rebelle. Mais la rebelle, j'ai plus rien à y faire. Si? Je sais plus. Je sais plus. Attends. Qu'est-ce que j'avais fait pour la fille secrète du roi là? Dont grand-père était Proxénis. Attends. Oh, je sais plus dans le scénario, faut que je me remémore. Donc elle est la chef des rebelles, la fille cachée du roi. Elle a son ordre secret propre qui se distingue de la cour du roi. Elle est planquée. Alia, voilà. Mm. C'est ça, comme tu dis. Mm. Mm-hmm. Oh, cette atmosphère chez les rebelles. Oh là là. C'est une lumière tamisée. Et puis ils en ont des civières. C'est vachement rassurant. Alors la moitié des troupes sont blessées. Si ce sont des lits, ils sont sacrément en sommeil. Les rats ici sont étrangement gentils.
Donc dans la faux, je présume qu'ils balancent leur reste d'assiette pour les rats. Du coup, comme ils sont... Ah, c'est un crapaud. Comme ils sont nourris généreusement, du coup, ils sont, ils ont pas besoin d'être agressifs. Ah, je me souviens de lui. Le monsieur qui était bloqué dans le décor. Alors, monsieur le garde, on a trébuché, on est au coin. Je crains qu'il soit tombé de son... pas piédestal, mais... Je sais plus... Il faut que je relise mon journal de quête, de récit de bord. D'ailleurs, attends, le barman chez les rebelles, il vendait un truc ou juste de la boisson? Non, alors... N'est pas une réponse valable, mon gars. Même le père Foura dans Fort Boyard, il est plus compréhensible. Arrête. Il va me rendre fou. Ah, je sors de chez les rebelles, il me rend fou. En fait, on va apprendre que c'est une maison de retraite qui dit pas son nom. Toute la garde du roi, en fait, quand ils arrivent en fin de... En fin de vie, ils se barrent en catimini chez la fille cachée, enfin la petite fille. Oh mon dieu. Pour pouvoir compléter leur trimestre manquant pour leur retraite et être baba cool. C'est horrible, mais de ce que je me dis, ça fait un peu l'effet là. C'est l'étape juste avant la maison de repos. Oh dur, je parle mal. Bon mince. Je déambule. Je me rappelle un peu des accès à droite à gauche des différents sous-sols. Mais. Ma quête, à part patater le grand méchant. Et je sais plus comment j'ai accès à mon journal. Ouh, mon journal. Les touches de ma souris peut-être. Non. Ah oui, par là, c'est vrai. Oh, Mazette, je me souvenais pas que je présentais... Oh la vache. Ouah, je fais peur. Ah, je suis le chevalier. Oh là là, faut pas me faire une tape dans le dos parce que vous perdez votre main. V'là l'armure, toi. Je suis le porc épic de métal, de la tête aux pieds. Ouf. Alors, le récit, il dit quoi? Oh là là, cette police de caractère qui est trop petite pour l'époque. Me disait. Il me faut un œuf de dragon pour enchanter l'arme ultime. Il faut absolument que je me renseigne sur le nombre d'écailles que possède un dragon. Ah merde, mais je l'ai lu dans un bouquin, ça. J'ai croisé le fantôme d'une femme. Ah oui! Dans la crypte, le fantôme de la femme. Elle me demande de trouver qui sont les responsables de sa mort. Elle m'a certifié qu'elle était un personnage très important du royaume et que son assassinat n'a qu'un œil. Ah, son assassin, pardon, n'a qu'un œil. Qui est borgne dans le royaume? Ah, ça, c'est une quête secondaire vachement intéressante. Il y a une enquête digne de... des grands enquêteurs, hein, je ne vais pas en nommer, mais... Ah ouais, la femme importante qui a été assassinée par un borgne. Ah, qui est l'assassin borgne? Oh mon dieu, j'ai l'accès à la crypte. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais, je vais revenir à la civilisation via la crypte. Ouais, quelque part j'y prends mes aises à force d'y faire des allers-retours. En plus, les toiles d'araignée sont complètement explosées, j'ai fait le ménage. Bon, j'espère juste que j'aurai pas une malédiction qui va m'arriver dans la tronche. Je sais pas quel squelette ou épée volante qui m'arrive dans la... Hein, bon. Ça, c'est... Oui, c'est neutralisé, je peux marcher au centre. Enfin, je crois. Enfin, faut que j'ouvre l'œil quand même. Mais pourquoi la grille est fermée? Ah non! Ah, merci, j'ai eu peur. Parce que je me voyais pas pris au piège. Hop, allez, zou, on remonte d'un sous-sol. C'est vrai qu'elle a une ambiance, la crypte.
Que je pourrais d'ailleurs m'amuser à... C'est très minecraftien, potentiellement. Pourquoi toutes les portes sont pas ouvertes? Bon, elles sont déverrouillées, mais elles sont pas toutes ouvertes. Ah, c'est peut-être par défaut au chargement de la carte. Voilà, 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 le retour à la civilisation. Yeah, de retour dans le village des humains au premier sous-sol. Youhou! Il faut que je m'adresse au roi et à sa cour. Y a-t-il un célèbre borgne dans le royaume? Il est coupable. Il est coupable d'assassinat. Le château du roi est... Je sais plus. On va y arriver. Non merde, je crois qu'il y avait un chemin là. Oh là là. Oui, alors la mémoire s'est bien effacée en deux mois. Au secours. La 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 la. Bah, oh, je me prends mon pied dans la chaîne de la du pont-levis. Moi. Alors. Messire, ah, qui est le borgne dans le royaume? Il est où le coupable? Je dois le confronter. Ça fait bizarre d'arriver dans la cour et d'avoir les portes du fond qui se ferment devant vous. C'est pas très poli. Ouf. Alors, monseigneur, qui est-il? Il faut vous occuper de cette fameuse arme, Amshagar. Oui, bah, croûte. Il faut vous occuper de cette fameuse arme. Bon, la cour est toujours aussi CON, si vous voulez mon avis. La 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 la. Attends, il faut que je consulte les érudits. La femme serpent bibliothécaire. Pour peu qu'elle ait la langue bien pendue, je vais en apprendre beaucoup. Non, le garde, tu vas pas me faire suer dans le corridor, laisse-moi passer. Ouf. Alors, la sœur Shinkash. Oui, bah la sœur Kinshas, elle me déçoit. J'aurais aimé des réponses de sa part. Bon, ici, c'est l'alchimie, c'est les potions. Je tourne un peu en rond. Soyons logiques. Bon, il n'y a pas 50 milliards de personnages non plus dans le jeu, mais... Non, là, j'y trouve rien à l'observatoire. Je peux passer mon chemin. Qui peut me répondre sur le borgne? Le borgne... Le... Non, c'est pas possible, c'est pas le chef des troupes. Il n'est pas borgne, le chef des troupes. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Il faudrait peut-être que je plane du côté des ivrognes. Au niveau du bar de la surface là, le mec qui est méché, qui s'assoit toujours contre les remparts de la forteresse, poste de garde là, de l'avant-poste. Un mec qui est borgne. Où est-ce que j'ai croisé un mec qui avait plus qu'un œil? Oh, et c'est pas forcément un humain d'ailleurs. C'est pas obligatoirement un humain. Il faut pas que je me focalise sur les humains. Le prêtre, là, dans son église. Suspicion maximale. Montre-moi ton visage. Ça peut être une femme aussi. Hein, madame? Je vous ai pas déjà vu quelque part? Oh, si, on me croit souvent, j'arrête pas de faire des allers-retours. Non, non, sa tête me revient pas au père d'église, là. Je veux pas connaître ces sermons. Même si c'est pour faire fuir le démon. Alors, le chef de la garde. T'es pas borgne. Désolé, mais je n'ai pas vraiment de temps à vous consacrer. Ah, il est bien d'un seul morceau. Le forgeron. On le voit toujours le dos tourné parce qu'il est sur son ouvrage, mais... Montre-moi tes yeux, monsieur le forgeron Miguel. Choisissez une arme en accord avec votre style de combat.
Bon, j'ai l'impression qu'il a bien ses yeux. D'ailleurs, dans le métier, il y a intérêt d'ouvrir grand ses yeux, donc ça peut pas être lui. Et là, je me rends sur la place publique et je hurle. Qui est borgne ici? C'est comme ça qu'on résout des enquêtes. Oh, merdoum! Le borgne. Où est-ce que j'ai vu un borgne? Bon, ça, je peux pas y revenir. C'était scripté, c'était la fuite par la prison via les égouts. Ce qui est un peu nunuche, d'ailleurs. Oh, il y a la... Oh! La vilaine imbue sa personne, là. Celle qui vide les bourses du banquier. Ta 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 ta. La vilaine. Putain, un porc. Où est-ce que j'ai vu un porc dans l'aventure? Oui, bon, monsieur le garde, passez votre chemin, merci. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait le cochon? Je me souviens plus de cet endroit. Ah, c'est une petite placette de repos. Ah ouais, d'accord, c'est le... Ouais, d'accord. Ouais, ouais. C'est un peu la... Ouais, la basse-cour. Ah, j'avais encore pas fait gaffe au renfoncement. Ouais, c'est traître. Hein. Là, il y a des endroits dans Arx Fatalis. Je me souvenais plus qu'il y avait un renfoncement. Ça aussi, c'est une planque. C'est une planque parce que c'est un accès aux égouts. Et à mon avis, ça doit pas sentir la rose. Heureusement qu'on n'a pas l'odeur dans le jeu vidéo. Je sais plus, le forgeron. La forteresse, j'étais pas loin du passage. Donc l'église, le château. Un borgne. Est-ce qu'il n'y avait pas un borgne chez les gobelins? La grande question. Ouais, un petit passage dans la forteresse s'impose. Ça ne peut que me revigorer la mémoire. Ça va me raviver des souvenirs. Chargement, ouais. Un porc. Où est-ce que j'ai vu un mec qui avait plus qu'un œil? En même temps, j'ai pas de preuves. Si je devais croiser le mec qui est borgne, bon, ce serait toujours très bon de l'identifier. Mais je pourrais pas le confronter parce que... Renayonnet, j'aurais pas la preuve pour l'inculper. Je m'en tiens qu'au propos du fantôme d'une ancienne bourge, d'ailleurs. Si c'est pas dire... Oui, une bourge, pas une aristocrate, parce que... Elle avait dit qu'elle avait fait sa renommée par le pouvoir et pas forcément par la richesse. Mais oula, c'est la fête à la basse-cour là. Il y a une poule qui est en joueur. Le porc. Non, il n'y a plus rien dans l'avant-poste. Oh, c'est d'une misère. Ouais, non, mais l'avant-poste est archi mort. Oh là là, c'est tristesse et désolation. Le bar, la taverne. Oh, je sens que je vais avoir des infos sur le loup-bar qui est coupable. Tellement classique. Tellement prévisible. Mais il y a quoi dans cette fosse? C'est trop bizarre. On dirait qu'on a essayé une excavation, on a commencé à creuser, et on a renoncé par rapport à la dureté de la roche. Alors lui, il est borgne ou pas? Plus je bois, mieux je me sens. Oui, bah ça craint.
Ouais, bah il a bien ses deux yeux, mais il est juste imbibé, lui. Ça ferait un piètre assassin, d'ailleurs. C'est pas crédible. Ça peut pas être lui. Hein, le chien, t'es pas borgne? Pas toi de coupable? Ouais. Ah, les canidés, je vous jure. Toi, le troll, t'es borgne ou pas? Le gobelin, pardon, t'es borgne ou pas? Regarde-moi dans les yeux. Encore l'air du bâtard à voir. Non, il est trop bourré. Là, il y a la blonde de service, elle est pas borgne. Merde, je suis encastré dans le décor. Le mec aux énigmes. Ah, 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 ah! Eh oh! T'es pas borgne, toi? Enoy, nous devons parler de l'assassinat d'une femme. Qu'est-ce que tu me veux, toi? J'ai rien à te dire, moi, alors dégage! Dis-moi, le borgne, es-tu sûr de rien avoir à me dire? Laisse-moi seul. Tu ne sais pas de quoi tu parles. De la bière. Il me faut de la bière. Tizi. Le mec à la taverne a bien l'œil esquinté. Il veut de la bière. Eh ben, si l'alcool peut lui permettre de délier sa langue, je vais pas m'en priver. Allez, ma grande, un tonneau complet. Je voudrais bien t'aider à te détendre. Oh, l'hôte, elle me fait des propositions indécentes. Oh, manquait plus que ça. Alors, une mousse pour la douze. Nyeh. J'ai une potion empoisonnée. Non, alors là, c'est pour le faire taire à tout jamais. C'est pas le bon breuvage. Monsieur veut une mousse. Tiens donc. Alors, potion de soin. Merdoum, j'ai rien d'autre à boire. Par contre, j'ai du bon matos. Oh. J'ai une épée à deux mains en myrtille. Ah oui! Mais c'est ça où j'en étais avec l'œuf de dragon. Il faut que je fasse le procédé dans la mine naine au dernier sous-sol. Mais bien sûr, alors que Oli vient de récupérer une loge du Roussillon. Bravo. Ah, la mémoire me revient. Alors attendez, je vais m'acharner sur la quête secondaire du Borg assassin qu'il faut saouler pour faire parler. Quelqu'un n'a-t-il pas une... Madame. Cessez de m'apporter. Du poulet, tous les jours, je pense que... Quelqu'un n'a pas une chope de bière à me refourguer, là. Finalement, j'ai un homme à faire parler. Ils vont me rendre fou, ces gens. Et toi, t'as pas une bière, monsieur Gobelin? Et moi vouloir Gobelin gentil comme humain. Hein? Oula. Comment on fait pour commander? Wow, mademoiselle! Allons bon, arrête de me regarder comme ça. Sortez d'ici avant que je n'appelle les gardes! Ça, c'est drôle! Ah là 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 là, une mousse. C'est quoi ça? 10 pièces d'or pour une bouteille de vin. Merde, c'est du vin, pas de la bière. Réfléchissons. Et puis je vais peut-être sauvegarder d'ailleurs. Comment je fais pour sauvegarder, je sais plus. Attendez, je... Oh mon dieu. Oui, je faisais comme ça. Parce que je crois que j'ai dit touche sauvegarde rapide, mais je sais plus comment ça marche. Comment ça le dragon à quick? Mais non. Une mousse. La quête de la mousse. Oh mon dieu, quelle horreur! Je suis en majuscule, bien malgré moi. Une mousse pour un coupable, là. Ça devrait être le nom de ma sauvegarde. Une mousse pour un coupable! Ah! Retirez-moi le bouquin, au secours. Je vais jouer. Alors. Je passe au travers de la porte, je retourne dans la secte. Je sais même plus s'il y a quelqu'un dans la secte ou s'ils sont tous morts par ma faute. Je sais plus. C'est là où je vais me faire déboîter, démonter par la secte. Oula, alors que tout se déclenche à mon arrivée. Ouf!
cette précipitation flippante. Une bière. Je vais quand même pas me servir d'un alambic pour faire une bière. Attends, c'était une cuisine, ça? Ouais, non, mais ils faisaient des trucs horribles là-dedans. Il y avait du sang, je sais plus quoi. Ouais, c'est bien, au moins ils ont débarrassé. Encore un bon nettoyage et ça pourrait faire l'objet d'une bonne location. On peut réutiliser les lieux. C'était la grande chambre de... Oh, c'est dégueulasse. C'est un amas de chair. À chaque fois que je fais ce passage-là, moi, ça me rappelle le boulot pas fini de Tomb Raider 1, là, avec Lara Croft. Vous savez, après l'Atlantide. Il y avait des passages comme ça où il y avait des créatures énormes. Et les murs étaient vivants. Il y avait des veines qui couraient le long du mur, ça respirait. Ouais, le bruit est immonde. Ah ouais, ouais. Et ça me rappelle trop le premier Tomb Raider. Alors ça, c'est trop pour me barrer. Et à l'opposé, il y avait quoi dans la secte? Fais-moi le malin avec Ba, là. Enfin, le problème, c'est qu'il s'est réincarné. Mais... Ah, système de sécurité. Ah, je vois tout. Je vois tout, je sais tout. Je suis devenu omnipotent. Vous pouvez rien me cacher. Le levier est coincé. Ouais, le levier est condamné et coincé. Je peux plus rien faire. Ouais, c'est fou ça. Ah non, c'est comme ça, pardon. Je me suis trompé. Bref. Non, mais je peux me barrer. Je peux me barrer parce que... Encore que... Attendez, non, je suis bête. Je suis bête dans le sens que je pourrais revenir dans mes quartiers, là. J'avais la... La première réserve qu'on croise dans le jeu, là, près des gobelins. J'avais mis l'essentiel de mon matos là-bas. Puisque j'avais malencontreusement réalisé un carnage chez les gobelins. Pour pouvoir m'évader. Il est où le bouton de... Il est là. Faudrait que je me barre. Torota nous dit, je viens de voir un article comme quoi A State of Decay 3 sera en cours de fabrication. Oui, alors que j'ai pas commencé à faire le premier. Je sais pas quand je vais jouer à State of Decay. Tu m'as branché dessus, Torota. Et d'ailleurs, merci, je sais plus si c'est toi qui me l'avais offert, je sais plus du tout, mais... C'est... Tu m'as donné envie d'y jouer. Et j'ai toujours pas démarré le premier opus. Faudrait que je me lance un de ces jours, je sais pas quand. C'est toujours la même problématique. Des jeux, mais pas assez de temps pour tout faire. Voilà, voilà. Oui, la réserve des gobelins. La réserve des gobelins qui est devenue mienne. Elle est par là-bas, normalement. Bon, je me rassure un peu en me disant que ma mémoire est pas trop foireuse. Après 2 mois d'absence dans le jeu, ça revient assez vite. Ouf. Mais j'aimerais bien pouvoir me vanter dans mon CV de joueur, là, de me dire que j'ai fini au moins une fois Arx Fatalis. Je suis en bonne voie, hein. Là, mon acharnement va payer. Ouch. Voilà. Comment je... C'est moi qui ai foutu ce bordel. Waouh. C'est juste... Enfin... C'est du matériel de très grande qualité. Et j'ai tout foutu... D'accord. Tout va bien. J'ai tout foutu au sol. Une bière. Il faut que j'apprenne à fabriquer une bière. Si je peux pas lui apporter la bière, je dois la fabriquer. Une bière, c'est du houblon. Est-ce que j'ai du houblon? Non. J'ai de la laine. J'ai de la farine. J'ai du blé. On peut faire de la bière à base de blé. Non
De la bière, de la bière, de la bière, de la bière. De la bière, de la bière, de la bière, de la bière. Oh, je veux tenter l'expérience. Attendez, j'ai une fiole vide. Si je prends de la farine avec une fiole vide, que je vais peut-être remplir d'eau d'ailleurs. D'ailleurs, des fioles vides. Pardon, mais sur moi, j'en ai 15 des fioles vides. Oh, le héros que j'incarne, c'est un sac, le mec. Il a 50 milliards de trucs sur lui. Il en a même tellement trop que je vais en déposer. Enfin, je devrais. Je devrais parce que c'est n'importe quoi. Attendez, je vais libérer une case. Au moins, je me serais pas déplacé pour rien. Du moins, si j'y parviens. Ah! Ce jeu va me rendre fou. Si ce n'est déjà fait. Y rejouerai bientôt. Alors attention, Nayonet, attends. State of Decay, Nayonet, et multijoueur, multijouable, j'allais dire, on peut le dire, à partir du deuxième opus. Or, pour l'histoire, moi, il faut que je découvre depuis le premier opus. Si je me lance dans le premier opus, c'est obligatoirement en solo. Dommage. Et pourquoi pas après, dans plus tard X années, je ferai le deuxième opus. En multi avec quelqu'un, oui, volontiers. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Je suis navré de vous décevoir. Pourquoi j'ai 50 milliards d'écrits sur moi? J'ai pas besoin d'une telle bibliothèque, si. C'est quoi les bouquins? La théorie de l'âme ultime, la magnétisation de la force chez les nains, et canet de bord des mines. Ouais, c'est des écrits nains, ouais. Une note et une note. Bon, tant que j'ai encore de l'espace dans l'inventaire, hein, merdoum. Encore que il est... Oh là 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 là, je cumule les notes. Prout. C'est tout ce que j'ai à vous dire, prout. Non. Je vais essayer de faire avec un alambic de la bière à partir de la farine. Vraiment. J'ai envie d'essayer. Oui, normal de vouloir découvrir l'histoire en solo d'abord. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. J'aimerais découvrir en solo d'abord. Comment je fais pour remplir de flotte les fioles? Il n'y en a pas 50 des endroits pour remplir les fioles d'eau. Je sais plus. Je sais plus quels sont les points d'eau, les puits dans Arx Fatalis. Ah, les gobelins, ils ont une cuisine. Les gobelins... Mais je crois qu'elle est sommaire, la cuisine de la... Des gobelins. Elle est pas par là. C'était pas ça, la cuisine des gobelins. Et pas Schmitt. Déjà, il y a une salle de torture. Bonjour, on se croirait dans The Jeune Keeper. Si, une bassine d'eau, une vasque. C'est ça. C'est bien. Prout. Merci. Merci, 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 merci. J'ai ma fiole d'eau. Donc maintenant, il me faut un alambic. Un alambic. Jusqu'à maintenant, mon raisonnement est parfaitement crédible. Il me faut un alambic. Il y en avait dans la secte à la noix. La secte avait un alambic. Chez le roi, l'alchimiste. Il a un alambic, j'y suis allé tout à l'heure quand j'ai voulu voir la femme serpent et Rudy de la bibliothèque. La sœur Nyashinyashinya, là. Merdoum, il faudrait que j'accède à un téléporteur qui n'est pas là, mais là-bas. Alors, je vais m'auto-congratuler, mais je suis plutôt content de ma mémoire. J'arrive à me souvenir à peu près de tout. J'avais peur, vous voyez, en prenant le jeu, de tourner en rond un petit moment, mais finalement non. C'est assez frais dans ma mémoire, donc c'est cool. Je vous propose un direct dynamique, enfin du moins vivant. Voilà le téléporteur. Allez, on se pète les jambes, on s'en fout, et on va au château.
Le gars, il est major. Oh merde, j'ai plus rien dans mon... C'est vrai qu'il faut que je carbure au sirop de cerise, moi. Alors, j'ai mis un peu trop de sirop, mais c'est très bon. La boisson me procure bien du plaisir. Ah, qu'il est bon d'être vivant. Alors, l'alchimie. La 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 la. Je savais qu'il allait me les briser, les gardes, dans le corridor. Grrr. Fallait qu'on se croise au même moment sous l'arche. La 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 la. Ah, sauvegarde. Sauvegardons et révisons la touche rapide de sauvegarde rapide. Donc, une mousse. Allez hop. Et normalement, la sauvegarde rapide, c'est... C'est ça, on est d'accord. Et la charge rapide, c'est... On s'en fout, je suis pas dans le monde, on verra plus tard. Est-ce que je peux mettre la farine? Non, pas dans une fiole. Vide, mais dans une fiole d'eau. Attendez, j'ai pas compris là. J'ai obtenu une fiole vide. Attends, pourquoi j'ai interchangé mes trucs, moi? Ah, j'ai obtenu de la pâte à pain. Mais non, c'est pas... Ah, alors, chargeons vite. Non, je peux pas. Merde, F9, ah oui. La farine dans l'alambic, ça donne pas de la bière. Ça fermente. C'est l'intérêt d'un alambic, non? Et la farine peut pas devenir une fermentation en bière? Je la fabriquais, la bière, non? À défaut de houblon, j'utilise de la farine. Bon, elle sera de piètre qualité, mais... Non, apparemment, mon raisonnement est pas le bon. Merde, qui... Pardon. Ah! Les... Mais oui, mais c'est des polchrons chez la... Chez la rebelle, là. Même le barman, il aligne pas deux syllabes. Attends. Je comprends, je suis en train de mettre bout à bout toutes les pièces du puzzle. Mais oui, l'autre... Mais je sais qui c'est qui va me fournir de la bière. C'est celui qui sait même plus parler et articuler. Que ce soit la vieillesse ou la boisson, là, c'est le mec au comptoir. C'est chez les rebelles qu'il y a de la bière. Mais oui! Les autres nunuches qui se faisaient du rentre-dedans, là, c'est limite si ça devenait pas torride et indécent. Ça y est! Je le sais, c'est eux! C'est eux, c'est la... Comment on pourrait dire? C'est la confrérie de la mousse. Dans Arc Fatalis. Vite! Il faut que je retourne chez les rebelles. Et toi, bouge-toi de là. Voilà. Laissez-moi passer. Bouh. Faites place dans la ville, faites place, urgence mousse. Oh merde, je suis perdu. C'est où? Ah! Non, pas la basse-cour avec le cochon. Bah merde, il... Prout. Oh non, il y a l'autre m'as-tu vu là. Elle me gave. Je veux pas la voir. Nous avons les moyens de vous faire parler. Mais après, l'idée de base était pas si mauvaise. Ah, tu te fends la poire parce que c'est pas ça. M'en fous, j'irai jusqu'au bout de mes idées. Je vais essayer. Je sais que t'as torché le jeu, mais qui te dit que je vais pas trouver un truc que t'as pas trouvé, Olive? Ah, j'avais oublié cet endroit. Oh mon dieu. Oh, les ombres chinoises sont horribles. Ah, tu te demandes ce que tu vois. Ah, il y avait une femme serpent qui est morte là. Oh, je m'en souvenais pas. Ah bah la malheureuse, elle est morte comme un caca. Tiens, je me souvenais pas qu'il y avait des femmes... Bah...
Pourquoi j'ai fait un carnage chez les femmes serpents? Elles s'étaient rebellées contre moi? Je me souviens pas de ça. Oh, c'est beau, les cristaux sont magnifiques. Oh merde, un rat! Et puis je me suis perdu. Ça y est, à force de faire des bêtises. Ouch. Je peux le dépecer, ça me fera un rat burger. Oh, il a rien sur lui. Ce rat était tellement maigrichon qu'il a rien à bouffer. Sur sa carcasse. Je vous laisse, je suis épuisé, je tiens plus. Peut-être à tout à l'heure, bon direct. Oui, bon dodo, ton retard. Bah, tu reviendras sûrement quand je ferai le Lego que tu m'as offert. Tu pourras me faire la causette à outrance si tu veux. Bon dodo, Tota. Récupère bien. Recharge les batteries. Pour dire à nouveau tout plein de danneries. Ah là là. Tiens, un tonneau contient plein de la mousse. Un tonneau de mousse. Non, non. Perdu. Une pierre. Le mec au bar, c'est le borgne assassin. Je peux le faire parler que si il aura sa mousse dans le pif. Une bière. On va aller voir les rebelles. Les rebelles ont une taverne ou un équivalent. Ils ont de quoi se rincer le gosier, c'est évident. Les gobelins sont aussi pas mal portés sur la mousse. Ouais, je garde l'idée de voir les gobelins en deuxième étape si les rebelles ça fait pas ma satisfaction. Digadigadon. Je suis en train de tourner en rond là, je crois. Non, je me suis trompé. Ça y est. Mais Crotoum. Oh, j'aurais dû prendre la crypte. Au moins la crypte, j'arrive à me repérer dedans. C'est un comble. Mais c'est vrai. Et voilà. Oui, là, monsieur, pour prendre le sofa, là. Et voilà toi-même. Oh là là. Merdoum, je tourne en rond comme un gros nigo. Les rebelles. Comment je joins les rebelles rapidement à partir d'ici? Les rebelles. Non. Les rebelles de mes deux. Ah, bah oui. Attends, doucement. Les rebelles. Le portail magique. Les rebelles. Je vais me repéter les chevilles. Voilà. Alors, il y a le coup du royaume des nains pour forger l'épée. Mais ça, c'est la quête principale, on y reviendra après. Le lac souterrain, c'est assez facile de rejoindre les rebelles à partir du lac souterrain. C'est à partir de là, d'ailleurs, qu'ils m'avaient kidnappé et assommé, les salopards. Là, les pochetrons chez les rebelles vont me fournir une chope de bière. Yeah, boire. Je me méfie de ces couloirs. Parce qu'il y a la secte des maboules qui est au même étage. Ça peut très mal se finir. Parce que je peux croiser de bien vilaines personnes. La serrure. Aha! Yeah, boire. Et je vais faire une sauvegarde rapide.
Ce sera plus à faire. Voilà. J'ai le symbole de la petite disquette. C'est bon signe. Alors, les pochetrons, une mousse, s'il vous plaît, pour la 12. Non, mais il est pas sérieux. L'autre, il astique une chope et il est pas foutu de me servir une mousse. J'ai un œil sur toi. Alors, pas de coup en douce. Salut! Bon, lui, au moins, il est un peu plus jovial. Bon, vous avez pas une mousse, les gammes, c'est des... De l'eau et du vin, oui, et des jeux, des femmes aussi, du rhum et la bière, nom de Dieu. C'est ça, c'est surtout la bière qu'il me faut. Personne n'a de bière, ça m'en... Ah, quoi, une bière? Oh, je peux te la shipper, mec. Désolé, réquisition de bière, je m'en fous si c'est la tienne. Nah, c'est pour une cause nationale. Donne-la-moi. Merci, au revoir. J'ai ma bière. Je vais aller revoir l'assassin. Magnifique. J'ai ma mousse. Vite. Barrons-nous. Non, pas la note, la clé. Ah ah. La 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 la. Alors, c'est toujours le même raisonnement. Il faut refaire le chemin pour atteindre l'avant-poste et blablabla et blablabla. Je prends pas le bon chemin, moi. Ah, si, ça dépend. Si je retombe une énième fois sur la crypte, ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Non, ça, c'est pour cacher la serrure. Attends. C'est quoi la clé de la crypte? Ah, bah, c'est mon trousseau. C'est mon trousseau. Ouais, c'est brouillon. Mon raisonnement est brouillon. Ah oui! C'est vrai que j'ai le casque du roi Poxedis. Je dissipe les illusions. Tu devrais manger quelque chose. Cette poule est un homme. Enfin, c'est un homme. Enfin, un homme poule. Enfin, merde. C'est un malheureux homme qui est devenu poule par malédiction d'ailleurs. Le malheureux a dû aller se faire cuire un œuf. Et mon personnage a faim. Voilà, il a mangé du pain, du vin, du boursin. Allez-y. C'est vrai, il faut briser la malédiction de l'homme poule. J'avais zappé. Oh là là. J'oublie probablement encore d'autres quêtes secondaires. Pas mal, pas mal. Et je trouve que je rejoue pas mal pour une reprise de moi là. Tu as raison, il faut pas hésiter à tout tester. Nous sommes d'accord. C'est Lord Inut et Nine, ce n'est pas une malédiction. Ah bon? Ah bon? Devenir poule, c'est pas une malédiction. D'accord. Je... Oula. Ça ne me perturbe pas du tout. Lord Inut, et non, c'est pas une malédiction. Ah ouais. Ok, ok, bah dès que je m'adresse à Lord Inut, hein, je lui dirai à chaque fois, roule ma poule. Ça lui fera plaisir. Oui, il y a un petit lore autour de ce personnage. Oh. Oh. D'accord. D'accord. Bon, on aura tout vu dans Arsatalis. Extraordinaire. Extraordinaire. Allons à la taverne gaiement, faire parler l'assassin. J'ai des aveux à prendre. Des aveux. La la la. C'est quoi ce saut? Ceci est un saut. Oula, on va éviter de le... Oh là là, ça flambe de partout. Voilà, on va mettre le saut sur le bord.
Ouais. C'est tout ce qui restait à sauver dans l'avant-poste en flamme. Un seau. Ah oui, un truc au-dessus, là, ça brille. Quel est le subterfuge? Alors, je vais pas demander à Livrogne de faire la courte échelle. Hein. Bonjour, le gadin. Non, mais il y a un truc au-dessus. Un jour, je l'aurai, ce truc. Il doit y avoir une histoire de lévitation ou je sais pas quoi. Alors, j'ai des aveux à recueillir. Bougez-vous de là. Faites place. Ah ah! Je vais confronter le coupable à coup de mousse. Gagner beaucoup d'or. Oui, bien sûr, ça se saurait. La moumousse. Tiens, rince-toi, gosier, et parle. Je ferme ça. Il faut de la bière, Tizi. Mais, c'est une bière. Il se paye de ma tête, lui. C'est de la bière. Mais, pourquoi ça marche pas? C'est de la bière. Une bière, un homme. Tout est dit. Laisse-moi seul. Non, je te lâcherai pas. Pas maintenant. Je te lâcherai pas. Laisse-moi tranquille avec ça. Non. Je répète que j'ai rien à te dire, moi. Si. Tu as tout à me dire. De la bière. Il me faut de la bière, Tizi. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Oh, la chope renversée. Il mériterait que je lui la mette sur la tête. Vilain garçon. Viens par ici que je te mette la mousse sur la tête. Tu mérites. J'y arrive pas. Le jeu me l'interdit. Cette scène n'a jamais existé. Sur ses genoux. Allez, à un moment il y avait une superposition. Ah ah ah. De la bière. Il me faut de la bière, Tizi. Ouais non, c'est ridicule. C'est pas grave. Merdoum, je fais comment? Oh, ça me tue. Allons bon. Arrête de me regarder comme ça. Oui, bah rends-toi utile, la blonde. Bou. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière. Donne-moi la main. Jacques Brel, ça. Vesoul, je crois. Non, pas Vesoul. Oh, non, la bière, tout simplement. Le nom de la chanson. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Les gobelins pour faire de la mousse. Les gobelins. Sinon, tant pis, j'essaie de m'acharner sur la quête principale. Avec l'épée de... L'enchantement de l'épée avec l'œuf de dragon. Mais j'ai pas réussi à faire la mini, je crois. J'étais resté sur cet échec précédemment. Oh, j'en reviens pas, il a refusé ma chope de bière, c'était Nigo. Non. C'est vrai que le bon passage était là. Si je veux revoir le cuistot gobelin, voir le roi des gobelins. Mais je me vois mal m'adresser au roi des gobelins pour lui demander une mousse. C'est tellement dérisoire. Enfin, c'est débile comme dialogue. Et voilà. Wow. Merci. Le cuistot des gobelins aussi. Il y avait une quête là. Il doit avoir son bouquin pour apprendre à bien cuisiner. Je suis pas allé au bout de cette quête non plus. Ça me dit vaguement quelque chose. Là, il y a un bouquin chez les femmes serpents. C'est la cuisine pour les gobelins. Enfin, les meilleures recettes de la cuisine gobeline. Oh, il y a plein de trucs que j'ai laissé d'inachever là. Ça va pas.
Alors, ouvre-moi, Trognagnoff. Ouvre-moi la grille. Ouvre-moi la porte. La 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 la. Et même tes fesses. Merci. Allez, où oh, cette salle, je me souviens. La salle au trésor des gobelins. Et d'ailleurs, j'ai mis dedans que des merdouilles. J'ai dépouillé les gobelins. Hein? Bon. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Oui, c'est bizarre. D'ailleurs, je trouve qu'ils ont, ils ont la chance d'avoir des salles qui n'exploitent pas. Putain, la vache, la déco, elle est en hauteur chez eux. Alors, Monseigneur Trognagnoff. Marchand de gemmes, toi regardez marchandise. Mmh. Oui, attends, c'est le roi, mais à l'otard, ouais. Bon, bref. Bon, il y a ses biscuits, l'autre. Alors ça, c'est la grande énigme du code à 4 chiffres. Quelque chose ne va pas. Mmh. Ça doit être toute la fortune des gobelins qui doit être derrière cette porte. Oh mon dieu, cette grille, tellement symbolique. Et dire qu'il y a les geôles du début derrière cette grille. Oh là là. Ah oui, ça c'est la petite chambre du roi, je crois, ou la chambre de service. Alors, pour être honnête, je sais plus comment on résout la quête du borgne. Ah ah. On va bien, par déduction logique, y parvenir, bout du dieu. Tiens, le cuistot, je sais qu'il est là. Oula, il est resté droit comme un... Oula, étirement. Oh, le musclor, il se la pète. Il dit plus rien. Bon, génial. Ça va pas m'aider, ça. Ça va pas... Ah! M'a fait peur, le garde! Punaise! Il m'est arrivé dans le dos, il m'a foutu des jetons, ce con. Ah, oh! Un tonneau. Une chope. Eh! Je peux interagir avec le... Attendez. Le tonneau de mousse... En espérant que ce soit de la bonne. Oula, j'ai encaissé la chope dans le tonneau. Alors, une jarre, une chope, de la farine, prout, un seau. Allez, hop, remplis-moi le seau de bière. On va le faire parler. Le mec, il va s'effondrer. Il aura rien dit. Il va me faire un énorme euro, le mec. L'horreur. Les productions mauvais goût présentes. Mais comment je me sers de la mousse, moi? Veux ma bière? C'est scandaleux. Oh là, j'arrive plus à gérer les interactions. Ouch. Mais non, mais c'est pas un jeu. Tu mériterais que je te mette le seau sur la tête, toi. Viens ici que je te... Ouais, courbe-toi. Ne bouge plus, abruti. Voilà. Oui! Oh oui! Oh oui, magnifique! Bravo! Oh, il est beau! Oh là là! Un vrai saut, on peut le dire. Choisissez votre orthographe. Ah oui, alors. Eh, c'est marrant. Et de dos, on dirait les mecs qui font les vendanges. Oh, c'est rigolo. C'est n'importe quoi, j'adore. Alors, attendez. Une chope. Ouais, comme quoi, on peut faire n'importe quoi avec le moteur du jeu. Mais pourquoi je peux pas me servir de la chope? Je comprends plus. Je peux saisir des chopes, mais je peux plus les mettre dans mon inventaire. Attendez, j'ai besoin de repos, là, les gars. Je comprends plus. Pourquoi je peux pas prendre la chope et la mettre dans mon inventaire? C'est un objet, j'ai pas le droit. Pourquoi? Alors que tout à l'heure, on a vu la chope du mec chez les rebelles. Elle était remplie et je pouvais l'embarquer.
Une fourchette, oui, bien sûr. Attends, je comprends plus là. Il y a une logique qui est un plat propre. Non, c'est vrai. Ah oui, ils ont des assiettes propres. Il y a un minimum d'hygiène. Pardon. Ah, il y a un bug. Je crains que l'assiette ait fusionné avec le tonneau. Mais merde, ça bouge, je peux interagir, donc je peux avoir de la bière. Ah! Non, une jarre? Non, c'est pas sérieux. Je vais remplir la jarre de bière? Mais non, mais ça marche pas, c'est pas logique. Non, c'est pas ça. Je vais semer un caillou, un bazar, un foutoir chez tout le monde, ça va être une horreur. Tant que j'aurai pas la mousse. Attends, j'ai pas pris une fiole. Attends, j'ai du matos sur moi. Si j'interagis avec une fiole et le baril, je peux remplir une fiole de mousse, non? Ah oui! Ah! Ah! Elle est où la mousse? Non, ça c'est du poison. Faut pas que je me trompe. Ça c'est du vin, c'est de l'eau, c'est pas du boursin mais du poison. Attendez. C'est quoi ça? Ça c'est invisibilité, ça c'est vide, ça c'est du soin. Elle est où la mousse? Bah! Elle est où la fiole de mousse dans mon inventaire? Elle s'est bien remplie, non? Bah! C'est quoi le délire? C'est quoi de la poudre de colt? Attends, j'ai des trucs dans mon inventaire, je sais même pas à quoi ça sert. De la poudre de colt. Ok. Oui, quoi? Qui que... Non, c'est Wisebot qui parle. Mais oui. Là, j'ai fait plusieurs fioles de mousse. Mais elle est où dans l'inventaire, la mousse? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tu fais du poisson. Perdu. T'as loupé ta pêche. Bah, j'arrive à remplir les fioles de mousse, mais je les vois pas dans l'inventaire. Pourquoi? C'est pas logique. Bah! C'est du délire. Ils ont oublié de programmer un truc, là. Je viens de sacrifier plusieurs fioles vides. Mais je les retrouve pas dans l'inventaire, pourquoi? Ah, c'est du vin! Je me persuade que c'est de la bière, mais attends, c'est du vin. J'en suis à 5 fioles de vin. Là, j'en ai 6. Merde! C'est un tonneau de vin, c'est pas un tonneau de bière. Ça, c'est un tonneau de quoi? Oh, je vais devenir le barman de la région. Ah, merde. Ce tonneau ne fonctionne pas. Hein, monsieur... Monsieur Sceau. Ah, merde. C'est du vin, c'est pas de la bière. Je vais retourner chez les rebelles qui doivent avoir un fût de bière. Les rebelles doivent avoir un fût de bière, c'est obligé. Un fût de bière. La 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 la. Les rebelles doivent avoir de la bière. Ça sent la bière de l'Ordre Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. Ça sent la bière de l'Ordre Berlin. La 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 la. Ouais ouais ouais. Je vais m'acharner sur l'assassin là. Borgne. Donc les gobelins ont du vin. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Allons chez les rebelles. Ouf! On a vu l'animation au loin de la porte qui se referme lourdement.
Ça faisait débile. Mais bon, bref. C'est le jeu. Dodo, excusez-moi, mon dieu, j'ai un coup de moule, un coup de sommeil. Il a plein de tonneaux, mais je peux pas interagir avec parce que c'est le décor. Est-ce que je peux venir dans son truc? C'est ça. Alors, attends, je sauvegarde. Je sauvegarde et j'essaye d'avoir de la mousse. Non, il se passe à rien. Non plus. Merde. C'est pas un fût de bière. Qui a le fût de bière ici? Le shop. Oh, j'avais le coup d'œil avec la mousse. Je les connais mal, les installations des rebelles. Attends, on a quoi ici? Là, on a un chemin de fou. Et là, on a quoi? Ah, on a le vendeur. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre la fiole vide. Allez, hop. C'est pas perdu. Ah! Ah non, faut que je l'achète au mec. Attends. Trop bizarre. J'ai un coup d'œil à mes marchandises et servez-vous. Oui, bah, j'aimerais bien embarquer la fiole. Mais visiblement, je n'y parviens pas. Ah, merci. C'est quoi le rose? Guérison de poison. D'accord. Ouais, bof. Enfin, y a des armes très belles hein, qui présentent bien, mais c'est pas ce que j'en cherche. Le mec, il a du vin, ça c'est une corde. C'est quoi ça? Une chope du pain? Ouais, bah c'est sa bouffe. Un tonneau de bière. Ouais, y a pas de subterfuge ici. Chope jarre. Fiole vide. Fiole d'eau. Fiole vide. Alors attends, hop, les fioles vides, elles sont pour moi. C'est pas perdu. Je devrais manger quelque chose. Oh, mais il a faim de tout, lui. Tiens, mange ça. J'ai dévalisé les rebelles. Allez, hop, c'est pour moi, on sauvegarde. C'est quoi ça? C'est une vasque et c'est de l'eau. Ça présente fort bien. Ça, c'est du vin. Ça, c'est un seau. Ah, des tonneaux. Ah. Oui, oui, tonneaux en stockage. C'est pas des fuites de loulou. Ça, c'est... On est d'accord, hein, c'est de l'eau. Hein. Ce serait surprenant que ce soit une vasque de bière. Ça, ici, il y a quoi? Tant de mystère. Là, il y a un piège. Oui, il est bizarre le piège. Mais il fonctionne plus le piège. Là, il y a un clampin. Là, il y a un truc dans la lumière. Je sais pas ce que c'est. Il y a quoi me dire? Nous sommes ici pour protéger Alia. Oui, sa mission. Ok, c'est bon. J'ai le fin mot de l'histoire. Ah! Regardez sur internet pour réviser de comment qu'on fait. C'est trop bizarre les dalles. Oui, non, là il y a des jeux de grilles. Là il y a leur trésor. Là où il y avait. Oh, ils sont terribles. Oh! Le bouclier des anciens, protection contre la magie.
Furtivité. Waouh. Ah oui, c'est ce que j'avais ramené à la... Oui, à Litney. À la Miss. Il n'y avait pas un passage secret ici, non? Bizarre. Bizarre autant qu'étrange. On dirait qu'il y a un truc, mais non. C'est l'heure de la messe! Il y a mariage! Profitez des gens. Oui! Allez-y. J'aime activer tous les pièges. Pa 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 pa. Qui peut me présenter un fût de bière? C'est une grande quête. Attends, j'étais passé par là. Donc, si je prends l'autre accès, l'autre porte, je vais me retrouver dans la grande cour, là où il y a les rats et les... Voilà. C'était sûr. J'avais vu juste. Je me souviens. Qui a de la mousse? Qui a de la mousse? J'arrive à faire des fioles de vin, mais pas des fioles de bière ou des chopes de bière, pourquoi? La farine et l'alambic, ça marche pas. Ça aurait été éventuellement le houblon du pauvre, mais c'est pas ça. Tiens, les loustiques, ils font de la bière. Le mien plus gros. Que faites-vous ici? Nous être clan de l'eau. Vivre ici parce que pouvoir pêcher poisson. Mien être plus gros. Nous détester, clan de la terre. Pourquoi? Parce que eux mangeurs de rats, ça pas bon. Poisson bon. Si toi tu es eux, nous donnez-toi grand objet, très magique, grande magie poisson, objet avoir appartenu à grand sorcier avant, grand sorcier poisson. Je vois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tonneau. Tonneau, mais pour... Ah non, c'est un peu, d'accord. C'est fermé. Ouais, c'est le fameux truc de ce qu'on sorcier. Non, sorcier, poisson. Clan de la terre, pas bon. Non, champignon. La pierre, la pierre, la bière, la bière, la bière, la bière. Je vais vérifier, mais j'y crois pas. Mais comme je suis de passage chez les humains, là... Non, c'est strictement du matos de magie. Non, non, c'est pas de la bière. Ça se saurait. Je suis occupé, s'il vous plaît. Adressez-vous plutôt. Mmh.
De la bière. Merde, je retourne dans la crypte. J'ai machinalement enclenché le truc parce que voilà. Attendez, je réfléchis. De la bière. Je pense pas qu'il buvait dans la secte. Ah oui, c'est calme le jeu comme le chat. Oui, c'est dimanche comme dit Olive. Ça fait du bien de se reposer, être un peu hors du temps là. En même temps, je suis en pleine réflexion dans le jeu parce que j'essaie de voir où est-ce que je pourrais dégoter un fût de bière. Parce que les gobelins, finalement, avaient du vin. Du côté des humains, je pense pas que le roi ait de la bière. Merde. Oui, vas-y, Olive, feu vert. Tu peux donner un indice. Là, c'est vrai que je peux le dire, à l'arrêt. C'est reposant, oui, c'est bien. Les humains, je réfléchis à la ville. Je vois les artisans. Je pense pas que ce soit les commerçants qui m'auraient pu me fournir de la bière, si. Est-ce que les commerçants à la place du marché auraient pu me fournir de la bière? Oublie la bière? Ah bon? Ah ouais? Ah ouais? Oublie la bière? Bon, bah si tu le dis. Je me focalise sur la bière, il réclame une bière et c'est pas ça? Parce que moi, je partais du principe qu'il fallait le faire boire pour le faire parler, lui faire délier la langue, mais bon, si c'est pas ça. Si j'ai pas entendu un hélicoptère passer en survol dans le quartier, là, c'était bizarre. Re-coucou, Christella. Jetez un coup d'œil à mes marchandises et n'hésitez pas à vous servir. J'oublie la bière.
Est-ce que notre héros aurait pas griffonné quelque chose dans son journal de bord quand j'ai confronté le D-Borg? Oui ou non? Attends. Un personnage très important du royaume et que son assassin n'a qu'un œil. Les gobelins du clan de l'eau. Ah oui, mais non. C'est le coup du. Non, c'est nul. C'est pas ça. Il y a ça ni queue ni tête là. Merde. Et lui, il fait que dans les pierres précieuses, je crois. Jetez un coup d'œil à mes marchandises et servez-vous. Oui, à mon dieu. L'autre qui veut pas me parler. Attendez, faut que je relise dans le chat là, je vous comprends plus. Non, Olive qui tue ne m'a pas proposé le jeu Arx Fatalis en fait. Je l'avais déjà. J'avais la chance d'avoir le jeu en dur, en boîte. Je m'y étais frotté une première fois, mais j'avais arrêté je sais plus où. Et là, je suis vachement loin, hein. Je suis presque à la fin. Je m'étais arrêté à même pas la moitié, je crois, la première fois que j'y avais joué. Et voilà, j'avais envie de le finir. J'y suis presque, courage. Et il se trouve que bah, Olive est fan de. Enfin, elle apprécie énormément le jeu, elle l'a fini plusieurs fois. Elle l'a rincé sur Xbox alors que moi j'ai la version PC. Mais non, elle me l'avait pas proposé. C'est un concours de circonstances heureux, on va dire. D'avoir en commun cette pépite. Hein. C'est vraiment un excellent jeu. Pardon. Attends, Eh, si je balance le bong au chef des gardes, il me dit quoi? Désolé, mais je n'ai pas vraiment de temps à vous consacrer. Oh, merde, Oum. J'étais en droit de faire de la délation, moi. Sauvez-nous, gardien. Ouais, ils me disent toujours les mêmes trucs. Vous seul viendrez à bout d'Alba. Ouais, bon, génial, les mecs sont dépressifs. Nayon a dit, mais Arx Fatalis, quel je croyais que c'était un nouveau jeu. J'ai pas lu le titre du live, j'ai vu d'autres de télévision où ça bougeait plus. Ah oui. Oui, c'est pas grave ça. Mais. Attendez. J'entends des bruits trop bizarres. J'en reviens. Il y a un peu de beau temps, il y a un peu de flotte, il faut. C'est une enclume dans le jeu. Oui, c'est peut-être ça qui m'a trompé. J'en reviens. Oui. Attendez, non, j'entends vraiment du bruit. Non, je sais pas, il y a des animations en ville, comme si quelqu'un jouait de la...
jouer des percussions. Tiens, je vais me faire plaisir, je vais me prendre une friandise avant de vous rejoindre. Oh, le coup du borgne, c'est comme quel. Bon, vous savez quoi? Je vais essayer de retourner chez les nains, là, dans mon dernier quart d'heure de jeu. Et je vais essayer d'enchanter l'arme ultime avec l'œuf de dragon, histoire d'avoir de quoi déjà assassiner le Akbar Medo, là. L'Akbar réincarné. Je vais vous lire dans le chat, bougez pas. Ou alors, c'est mes voisins qui font le boxon dans leur garage. C'est peut-être ça que j'ai entendu aussi. C'est possible. L'assassin qui rentre chez lui, en fait. L'assassin crie templier. Là, le sage ne revient pas car il s'est pris un coup de couteau. Oh. Parézio. Ah là là. Les boîtes de bonbons à la belle gamette. Oula, toute cette lave. Oh la vache. Oh les veines de lave. La veine de magma. C'était la chaudière chez les nains, ça. C'était la chaufferie. Ah, t'aimes pas la bergamote, Olive? Bah, tous les boosts dans la nature. Hein. Tous les goûts sont dans la nature.
les grandes... Je ne serai jamais capable de déblayer ça moi-même. Je ne serai jamais capable de déblayer ça moi-même. Mmh. Ouais, mais les gobelins vont pas... Sûr ? Je suis usage de la pioche sur le tas de gravats. Je sais plus ce que je lis dans le chat. Mais non, mais non. C'est là où je devrais forger l'arme ultime. C'est en ce lieu. Ouais, sauvegarde rapide. Alors, les instructions. Ouais, j'ai les lingots. Ensuite, les lingots, on fait l'arme qu'on veut. C'est une pierre de pouvoir dans la machine. Placer le mot correspondant, placer le lingot dans le four, fonctionner le levier pour que je désirais. Donc c'est pas ça moi ce qu'il me faut. L'arme ultime. Alors un œuf de dragon permet à une arme d'augmenter les dégâts aux objets qui sont dans son matériau. Ainsi une arme d'acier enchantée fera plus de dégâts sur les objets en acier. Mais bah comment est en myrtille, moi je vais défoncer ce qui est en myrtille. Même pierre d'âme de Minecraft, oui. Dans le fond de la mine, c'est ça, ouais. On parle pas. Vi. Il faut toutefois choisir un composant à mélanger aux myrtilles avec soin, employer les matériaux les plus rares. Voilà, on a un mitril, c'est pratiquement impossible à trouver. Bon, d'accord. Tradition pose en travail pierre, métal, arrivée, maîtrise telle que l'artisanat de leurs outils. En quoi leurs forges n'ont plus rien à avoir accès à des autres races. Ce sont les seuls capables de forger les créer les plus aiguisées, de la plus létale des armes.
La dernière étape est l'enchantement. Plusieurs choses peuvent magiquement améliorer une arme. L'arme reposant sur un poignet. Oui, d'accord, mais ça ne dit pas comment je fais l'enchantement. Parce que. Est-ce qu'il faut que je clique sur l'œuf? Voilà. Ce n'est pas une bonne idée. Il me dit que c'est pas une bonne idée de mettre l'œuf de dragon sur l'épée en myrtille. En mithril, pardon. Je ne devrais pas faire ça. Il dit je devrais pas faire ça. J'ai pas le droit de faire ça. Bonjour Adjay, tu dis je suis en train de ranger mes livres dans mon bouquin. Dans mon bouquin. Dans ma chambre. Après l'avoir refaite, les cartons sont lourds. Oui, te pète pas le dos, Adjay. Ouais, ouais, ouais. Ouais, faire gaffe aux cartons. Niveau de la masse. Je ne devrais pas faire ça. C'est quand même ballot parce que l'œuf de dragon, je sélectionne. L'épée clignote. Mais quand je clique dessus, il me dit. C'est pas une bonne idée. C'est contradictoire. Oui, ça pèse les bouquins, tu m'étonnes. C'est le poids de la connaissance, Jay. Prout, prout. La vache, 22 dégâts. Bah, pourquoi j'ai pas le droit de... Ah, comme ça, peut-être. Ah oui, pardon. L'œuf de dragon d'abord. Ce n'est pas une bonne idée. Je peux rien faire avec le. Je ne devrais pas faire ça. Ouais, celle-là est déjà. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Ah, puis il y a ces coffres que j'ai pas forcés. C'est fermé. C'est fermé. Je peux pas les ouvrir, ces coffres-là. Trop complexe pour moi. Ouais, il peut pas. Trop complexe pour moi. Oh, c'est ballot. C'est ballot. Oh. Oh, c'est chiant quand ça rame. Enfin, ça, c'est mou du genou à cause de cette interface. Prochain niveau d'expérience, c'est dans 80 000, c'est ça. Enfin bref, c'est l'horreur. Ah non, pardon. Je suis à 80 000 et c'est dans 28 000. Je pense que j'ai pas le niveau pour le crochetage. Compétence pour les crocheter et sur verrouiller, désactiver les pièges. Ah oui, je suis un niveau bien bas. Je suis à un niveau bien bas, bien malgré moi. Je l'ai dans le baba, ça le fait pas. C'est fermé. C'est fermé. Non. J'arrive pas à faire mon arme ultime. Ouais, je peux pas l'embarquer, elle. Ouais, non. Bizarre.
le coup de l'épée du... Oh là là, ce bug. J'étais plaqué contre le mur là. L'épée à deux mains. Donc là, j'ai plus rien. Si je mets un peu de fer... Attendez, je vais faire un test. Je mets du fer. Voilà, moule-moi l'arme. Tada ! J'ai une arme. Est-ce que cette arme a deux mains qui est très jolie ? Ce n'est pas une bonne idée. Non, je peux pas utiliser l'œuf de drague. Je ne devrais pas faire ça. Ou alors, il faut que je le fasse. Ou que je mette l'œuf dans le... C'est saugrenu. Voilà. Et on fait fondre tout ça. L'œuf n'a pas disparu. J'ai une deuxième paire en nitrile, mais l'œuf a pas... Ah bah bravo. Ce n'est pas une bonne idée. C'est tordu, c'est bizarre. Attendez, je recharge le truc. Je vais refaire un test, mais c'est pas clair. Le jeu est... Sur certains aspects, le jeu est pas intuitif. C'est frustrant. Alors c'est bien de l'époque à devoir se creuser la tête, ça je conçois, mais... Mais prout, quoi. On est d'accord que je peux pas faire en œuf de dragon l'arme de chaud. Mais quelque chose ne va pas, on est d'accord. Aïe! J'ai marché sur le. Oh. Ouais, donc là il se passe rien. C'est bizarre. Changer de moule. Je vais faire une autre arme. Si j'y parviens. Ah! J'arrive pas à m'en saisir. Mais merde! Tu vas t'en saisir, trou gnouf. Oh, c'est dingue. Hein? Bon. Merci. Sabre. Ce n'est pas une bonne idée. Ouais, je comprends pas. C'est pas intuitif, ça me... Ça, je peux rien en faire. Réparer les armes avec ça. Ouais, réparer les armes, mais pas enchanté. C'est impossible. Je ne devrais pas faire ça. Je comprends pas. Bon, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que je comprends pas. Non. Non. Attends. Oui, si, je peux garder aussi la lame. Enfin. Ouais, en espérant que j'ai pas merdé une étape, c'est peut-être un peu dangereux. Je vais peut-être recharger et dire que c'est la reprise. Je vais quand même conserver mon lingot de mithrile. Ou myrtille, là. Je vais le garder, on sait jamais. Je comprends pas le coup de l'œuf de dragon. Je me suis cassé le CUL à l'avoir. Et je peux pas m'en servir, donc c'est frustrant, c'est agaçant.
Bon, c'était Arx Fatalis, c'était bizarre. Je suis content d'avoir rebattu les cartes dans ma mémoire, mais c'est presque 2 heures de flottement, enfin 1 heure et demie, je suis, pardon. Il n'y a pas eu de...